Yes, toujours au Reggae Empire, et cette fois-ci on se retrouve avec Monsieur Good Volume. Je vais te laisser te présenter. Okay. Bonjour, moi c'est Franck, je suis ingé son sur Good Volume Mastering. On a un studio spécialisé en mastering, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de prise de son, pas de mixage, que du mastering analogique et digital, donc du mastering hybride. Okay. Et donc voilà, l'idée c'est en fait, le mastering c'est une étape vraiment un peu à part du reste. Donc c'est pas du tout la même chose que le mix, c'est pas le même matos, c'est pas du tout la même écoute. C'est vraiment pour finaliser son produit, pour pouvoir le vendre, le faire écouter. Exactement, c'est l'étape finale en fait. Et c'est vraiment la touche de vernis, c'est le volume, c'est la patate, c'est les dernières modifs en fait. Ouais, ton buzz en plus c'est good volume. Ouais, c'est le bon volume quoi. Ouais, voilà. C'est le bon volume. Tu mets le son dans les enceintes direct, il tape quoi. Ça tape, ouais, voilà. On a vraiment trois axes de travail en fait. Ouais. On va être vraiment tout ce qui va être urbain, hip-hop, rap, tout ça. Okay. Ça, c'est vraiment la plus grosse partie. Tout ce qui va être électro. D'accord. Au sens large, techno, house. Ouais, dubstep, tout ça. Ouais, exactement. Okay. Et après, tout ce qui va être chanson française, variété. D'accord. Ouais. Pop. Vous adaptez à plusieurs. C'est ça. C'est vraiment les trois styles musicaux différents. Ok, ouais, très bien, ouais. Et ça se passe comment? Il y a un studio En fait, on est basé entre Brive et Limoges. Ok. On travaille en grande partie avec des gens sur Paris. D'accord. Lyon, Toulouse, dans les dom-toms, enfin dans toute la France. Ok. Et on travaille, on va dire, ouais, à 90% à distance. Et quand les gens sont sur Limoges, ils passent au studio. Ok. Et voilà quoi. D'accord. Ah ouais, donc du taf à distance, mais justement avec le confinement, il y avait pas mal de distance. Ça s'y prête bien, et puis maintenant avec les Instagram, les téléphones, les réseaux, tout ça, on peut communiquer facilement, on envoie les fichiers, enfin c'est facile. Tu peux nous citer donc justement tes réseaux, tes sites, où on peut retrouver... Ouais, alors on travaille beaucoup avec Instagram, donc c'est Good Volume en un seul mot, -8, mastering. Okay. Et on nous trouve facilement, quoi. On peut nous contacter, il y a tout hein, sur Instagram, il y a des démos, il y a les avis des gens qui ont travaillé avec nous. Oui d'accord. Il y a des avant-après, comme ça on peut se faire une écoute, voir déjà votre exactement. Taf. Ouais exactement. Ok, ouais. Bah, très bien. Exactement. Et l'idée en fait, voilà, ça... On a vraiment un travail qui est orienté sur les indépendants. D'accord. Parce que en fait l'idée c'est vraiment d'apporter le son mainstream. Ouais. À des artistes indés, et souvent voilà, quand on sort de studio, on fait des masterings instantanés à 20 balles, enfin les trucs, on n'a pas le son, des machines à lampe, on n'a pas le grain pro quoi. Ouais, même si ça peut être bien, on n'a pas le son mainstream, le son radio, et nous c'est vraiment ce qu'on propose, à un tarif abordable. D'accord. C'est quoi votre ordre de prix? On est entre 50 et 60, 70 euros par titre, ça dépend du besoin qu'on a, en fait, du format. Et voilà, on est 2 à 3 fois moins cher que ce qu'on peut trouver. Okay. Parce qu'on travaille à distance, parce qu'on est à Limoges, ça se répercute pas sur ces tarifs. Eh ben super. Voilà. On va vous faire la pub, hein. On répète, Good Volume. Vous savez où aller, pour, si vous voulez un bon niveau sonore pour reproduction. Exactement. Good Volume sur Facebook, sur Instagram, et voilà, bientôt. Eh ben Yesai, big up à toi. Merci. Yes.